Patrice Chéreau, dramaturge, Patrice Chéreau, homme de cinéma, Patrice Chéreau, homme d'opéra, mais aussi acteur. Nous avons eu la chance de le voir jouer ici, en 95, avec Pascal Grégory, dans La solitude des champs de coton, spectacle que nous présentions à l'époque avec le Centre dramatique national. C'était un des moments forts. J'en garde un souvenir tout à fait ému de Patrice Chéreau, acteur, par rapport à son histoire et à son parcours à Toulouse, qui n'a malheureusement pas été si important que ça à Toulouse. On ne l'a pas vu assez souvent. J'ai partagé de très bons moments avec lui ici, mais pas au point de connaître sa vie intimement. Si vous dites que sa vie était tourmentée, oui, ça se voyait à travers tous les sujets qu'il abordait. Peut-être souvent moins au théâtre qu'au cinéma, par exemple, même moins à l'opéra. Mais il était évident qu'il avait cette tourmente artistique qu'il habitait tout le temps. Il était habité par une certaine forme de violence qui faisait de lui quelqu'un d'extrêmement reconnu dans la grande institution théâtrale et en même temps de suffisamment indiscipliné pour surprendre, parce que Patrice Chéreau a toujours surpris, s'est toujours engagé dans certaines voies, les a quittées quand il était temps, il est revenu, changé de discipline, on l'a vu partout, toujours avec cette vitalité-là qui lui était propre. Toujours resté en alerte, Chéreau l'a compris dès son jeune âge quand il met un coup de pied dans la fourmilière en adaptant de façon moderne et non conformiste la tétralogie de Wagner. Patrice Chéreau a imposé finalement une vision, a dit mais on peut relire complètement, on peut aller au bout d'une relecture. Et ça a été le grand scandale du Ring de Bayreuth en 1976, ce miracle de Ring avec Boulez, où aussi on a eu pour ce qui était finalement assez nouveau, la rencontre entre un génie au pupitre, Pierre Boulez, et un immense metteur en scène sur le plateau. Et l'objet est un objet commun. Et ça a été une démonstration apportée, je dirais, dans ce temple du wagnérisme qui était encore assez académique à l'époque à Bayreuth. Chéreau voulait aussi faire du chanteur d'opéra un véritable comédien. Quand je suis arrivé à Toulouse, mon ami Christian Torel, qui est le patron de la librairie Ombre Blanche, m'a offert un petit fascicule écrit par Patrice Chéreau qui s'appelle « Si tant est que l'opéra soit du théâtre » et qui est un texte, un essai finalement de Patrice Chéreau sur la question dont j'ignorais l'existence, qui interroge cette question. Est-ce que l'opéra est du théâtre? Oui, répond-il, l'opéra est du théâtre. Non, répond-il, l'opéra n'est pas seulement du théâtre, c'est aussi autre chose. Et je crois que l'interrogation qu'il s'est posée était celle-là. Alors, évidemment, ça pose la question de l'acteur-chanteur, l'acteur-comédien. Mais Patrice Chéreau était tout sauf un naïf, et donc se rend bien compte que quelqu'un qui doit hurler des contre-rés ou des contre-fadièses sur un plateau pour une soprano n'est peut-être pas dans la meilleure position pour faire le travail de fond, le travail de profondeur que fait un... Voilà. Il était par ailleurs extrêmement conscient des contraintes de l'opéra, de planning et autres. En même temps, bien sûr, il était très exigeant, bien sûr, il est allé aussi loin que possible, mais tout à fait conscient qu'il ne faisait pas le même théâtre avec des comédiens qu'avec des chanteurs. Une affirmation qui corrobore ce que Chéreau nous confiait lors de sa venue en 2003 pour son film Intimité. Le rapport de force, il est automatique. Je suis dans une position de force dont il ne faut pas user, dont il ne faut pas abuser. C'est-à-dire qu'il faut pousser les comédiens dans leur retranchement, mais il faut le faire uniquement avec leur consentement. Un des derniers projets de Patrice Chéreau qui ne verra jamais le jour était l'adaptation du roman « Des hommes » du Toulousain Laurent Mauvignier.